Est-ce que je peux avoir votre réaction suite au résultat de ces élections? Écoutez, je suis très content. Maintenant, très long, il y a une vraie opposition qui va pouvoir faire bouger les choses. J'étais pour. D'accord. Donc, comment avez-vous appréhendé en fait ces élections tout au long de la campagne? Comment vous êtes-vous préparé? Maximum. Prendre à chaud les témoignages des Trélonais, savoir ce qu'ils voulaient exactement. Et vous voulez vraiment une opposition. Voilà, maintenant. D'accord, donc pas trop déçu, vous savez. Enfin, maintenant, il y a une opposition et pour les Trélonais, c'était le principal. D'accord. Peut-on avoir votre réaction suite à ces élections? Heureux, content, surtout pour toute l'équipe. Parce que c'est une équipe avec laquelle je travaille depuis 25 ans. Très long, ça se construit lentement, c'est pas par des grands chantiers, des grands bouleversements, c'est progressivement, que ce soit de la qualité et du qu'on appelle développement durable. Et donc toujours l'intérêt des Trélonais, à tel point que j'ai été surpris lorsque j'ai parlé des élections il y a un an, tout le conseil, à part 3 personnes, ont voulu partir. Ce qui a peut-être choqué la population, mais quand on regarde, c'est parce que l'équipe qui est en présence permanente pour dans leur commission, dans leur travail, dans leur action, l'équipe est passionnée. Et on fait une équipe, il n'y a pas un maire et c'était pas un maire, c'est une équipe entière, ensemble, et toutes les décisions que l'on prend, là on nous a parlé de transport, ceci, de cela, et tout est transparent chez nous, on n'a rien à cacher, et vraiment on va continuer à le faire, comme on l'a dit dans notre document, et je voulais montrer à la population, et j'ai proposé à mes colistiers, de faire un document de grande qualité pour dire ce que l'on aimait très long, que les Trélonais valaient largement ce que nous avons fait, valait qu'on s'investisse en continu. Et voilà, c'est ce plaisir de faire. Alors certes, pour moi, c'est un plaisir énorme, parce que ça va faire mon 5e mandat de maire, mais c'est au détriment de rien, c'est pour très long, c'est ma vocation, mais mon but de servir très long, mais aussi maintenant la communauté de communes. Et là, la communauté de communes, c'est un très grand enjeu pour le territoire, et j'espère que nous aurons un président, un très grand président, dans la personne de Jean-Luc Perrat, et que l'on va pouvoir aider, monter, développer ce territoire. Et c'est au cours de ces 6 années qui arrivent, c'est un investissement total pour nous.